Bienvenue à un nouvel épisode de l'Info Négo. Aujourd'hui, on vous parle des modalités de notre première journée de grève. Bonjour Jean-François, bonjour Marie-Lise. Bonjour Julien. Aujourd'hui, on fait un Info Négo spécial, étant donné que, on a annoncé la première journée de grève. Jean-François, pourrais-tu nous indiquer quand sera cette journée de grève-là? Est-ce qu'il s'agit d'une journée complète? Oui, ça va être le 30 mars, toute la journée. Les gens vont être conviés à venir faire du piquetage cette journée-là, là. Et puis, le piquetage, est-ce qu'on peut s'attendre à du piquetage classique devant son propre milieu de travail ou est-ce que la formule va changer un peu pour cette première journée de grève? Non, la formule va changer un peu, Julien. On va faire différent des 40 dernières années. On a décidé de se donner des points de rassemblement où est-ce que les gens vont être conviés et informés à venir faire leur piquetage qui se déroulera de 10 h à 2 h de l'après-midi. Donc, 10 h le matin à 2 h de l'après-midi où est-ce que les gens vont être conviés à venir faire leurs 4 h de piquetage, là. D'accord, je comprends donc que ça va être des rassemblements un peu plus festifs, un peu plus des manifestations. Et de quelle façon est-ce que les gens vont se faire informer de où se trouve le point de rassemblement pour leur région, dans leur cas? Bien, Julien, ça va fonctionner par région. Les gens, on les invite à aller voir nos pages web, on les invite à aller voir les pages Facebook, fonctionnaires pour, aller chercher l'information. Ils vont également recevoir dans chacune de leurs régions des infolettes, pour tous les gens qu'on a leur adresse courriel. On en a beaucoup. Il y a probablement des gens qui ne vont pas recevoir cette information-là. Ce qu'on les invite à faire, c'est à communiquer avec leurs dirigeants locaux, leur président ou leur délégué pour avoir cette information-là, qui devrait être quand même assez rapide. Également, écouter les médias. Hein, les médias, ça va être annoncé avec l'avis de grève puis un communiqué de presse. Fait que toutes les informations sont là, mais normalement, ils devraient recevoir un info lettre dans chacune de leurs régions. Fait que j'invite les gens à aller voir leur courriel là, durant la fin de semaine ou durant la prochaine semaine rapidement pour avoir les lieux de rassemblement, les heures. Il va y avoir aussi dans quelques régions là, du transport disponible pour que les gens puissent se déplacer plus facilement. Parfait. On sait que pour une journée de grève complète, il y a une compensation financière qui est prévue, dans le fond, qui va être prélevée à même le fonds spécial qui a été constitué à cet effet-là. De quelle façon est-ce qu'un membre peut s'assurer d'être éligible pour obtenir la compensation? Et puis, comment est-ce qu'il va recevoir paiement suite à la journée de grève? OK, excellente question, Julien. Les gens qui vont aller au piquetage vont devoir aller s'identifier, donc prendre leur présence à 3 reprises entre 10 h et 2 h. On leur demande d'y aller au début à 10 h, d'y aller à midi, puis d'y aller à 2 h. Chacune de leurs sections locales vont être identifiées dans les lieux de rassemblement. On les invite à aller donner leur nom à la personne qui sera identifié pour prendre les présences. Donc, c'est pas compliqué. Les gens vont voir la personne qui est responsable dans leur section locale, vont donner leur nom à 3 reprises. Et à partir de ce moment-là, ben, cette feuille-là de présence sera envoyée à la Trésorerie nationale. Et à partir de là, la Trésorerie nationale s'engage dans les 2 prochaines semaines à faire les chèques et à les envoyer chez les gens directement par la poste traditionnelle. Fait que ce qu'on invite, c'est les membres à ouvrir leur boîte à lettres. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui reçoivent beaucoup leur courrier via voyons, leur adresse courriel, mais on les invite à aller chercher cette enveloppe-là. Enveloppe blanche avec le logo du SFPQ, avec une petite fenêtre transparente avec leur adresse dessus. Ça, c'est un chèque. Fait qu'on vous invite à pas jeter l'enveloppe ou la mettre au recyclage, mais à l'ouvrir. Ça va être votre chèque de 100 $ d'indemnité pour la journée de grève. Mais pour pouvoir y avoir droit, il faut absolument être présent sur la ligne de piquetage. Parfait. Donc, se présenter sur la ligne de piquetage, donner son nom à plusieurs reprises à la personne responsable de sa section, puis à ce moment-là, on reçoit le chèque par la poste. Exactement. Marie-Lise, toi, tu as été, en plus d'être responsable de la négociation nationale, tu t'es également occupé des services essentiels. Absolument. Peux-tu nous rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est que les services essentiels et qui seront responsables, des services essentiels parmi nos membres? En fait, Julien, un service essentiel, c'est un service qu'on doit absolument donner pour assurer la sécurité de la population, entre autres. Alors, donc, dans chacun des ministères et organismes, on le sait, hein, on a quand même des emplois qui sont assez essentiels directement avec la population. C'est sûr que les gens mangent, hein, si je pense entre autres à l'aide sociale. Alors, donc, il y a des gens qui vont être identifiés pour être service essentiel. Si je suis service essentiel de façon permanente, alors dès qu'une grève est déclenchée, moi, je dois aller travailler. Je vais être avisé d'avance. Alors, les gens qui sont service essentiel, vous allez le savoir d'avance. Alors, vous ne posez pas la question,
il y a une grève qui se déclenche, vous rentrez travailler. Maintenant, il y a des gens aussi qui vont être services essentiels sur appel. Alors, à ce moment-là, le syndicat va être avisé par le ministère ou l'organisme en question. J'ai besoin de la personne qui est service essentiel sur appel et cette personne-là sera appelée par le SFPQ. Alors, si jamais, dans les prochains jours, on vous demande votre adresse courriel personnelle ou votre numéro de téléphone, puis que c'est l'employeur qui vous demande ces informations-là, puis qui vous dit c'est le syndicat qui les demande, c'est vrai. N'hésitez pas à donner l'information parce qu'on a besoin de vous rejoindre. Vous savez, les services essentiels, c'est le SFPQ qui les assure, puis c'est une obligation en vertu du Code du travail. Alors, si on n'assure pas les services essentiels, on peut être poursuivi. Donc voilà, donc ça va être la façon dont ça va fonctionner, Julien. Parfait. Donc, les membres doivent être attentifs puis ils vont être informés de leur rôle, si on veut, dans cette première journée de grève-là. Absolument. Maintenant, si on retourne un peu plus du côté de la négociation, on sait, on l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait la grève, on la fait parce qu'on pense qu'on est rendu là dans notre négociation. Est-ce que du côté du comité de négociation, il y a de l'ouverture pour des négociations avant cette première journée de grève-là? Et est-ce qu'une rencontre est prévue avec l'employeur avant qu'une première journée de grève se tienne? Julien, on est toujours, toujours prêt à négocier. Alors, moi, dès que ma vis-à-vis m'appelle, veut nous rencontrer, on est prêt, on est là. Ceci dit, j'en ai pas d'appel. Mon téléphone ne sonne pas. La dernière rencontre qu'on a eue, c'est le 2 mars dernier avec ma vis-à-vis et M. Hubert, Alexandre Hubert, qui se trouve être quand même, si tu veux, le bras droit d'Édith Lapointe pour les négociations dans le secteur public pour le SFPQ. Ce qu'il voulait savoir, c'était un peu l'état des lieux, où on en était par rapport au mois de décembre quand la médiation s'est terminée. Évidemment, on était en tournée de vote, hein, pour les moyens de pression lourds. Fait que la tournée n'était pas terminée. On lui a dit qu'on irait, on finirait notre tournée, on verra le résultat, puis après ça, ben, on allait lui revenir. Fait que, alors, on va lui revenir avec le résultat, puis il va le constater, comme tout le monde. Parfait. Je pense que ça fait un bon premier topo là, pour la première journée de grève. Les membres peuvent s'attendre à recevoir de l'information par courriel, en en trouver sur notre site Internet au moment de la diffusion de cette capsule-là. Puis on va les tenir sans doute informés là, pour les prochains jours jusqu'au 30, jusqu'à la première journée de grève. Donc merci à vous deux, puis on se revoit bientôt. Salut Julien. Merci d'avoir été des nôtres. Vous aurez sans doute plusieurs questions suite à cette info négo. N'hésitez pas à les transmettre à communication en commercial sfpq.qc.ca.